Eh bien, salut à tous pour ce deuxième jour du festival Equinox. On remercie toute l'équipe qui est très très cool. Les artistes qui le sont aussi, surtout elle. Et donc, on va commencer gentiment. Merci à tous ceux qui se sont déplacés, parce que vous êtes les meilleurs là. Autant que vous soyez. Comme je dis, il vaut mieux 10 personnes de qualité que 50 qui tirent la tronche. Donc c'est bien. Donc nous allons commencer gaiement ce petit voyage musical avec une chanson avec laquelle au final je commence toujours mes concerts, la chanson que j'avais commencé, la première chanson qui m'a fait commencer les compos qui s'appelle « Je souris ». Qu'allons-y gaiement. Chanson pour me vider la tête, pour faire une pause, un break, voir le reste. Je compose une paire de verres pour ne pas avoir à en boire, afin d'oublier ce qui me fout le cafard. La nuit commence à tomber, il se fait tard. Je marche, je titube, je rentre dans le brouillard. Je n'ai pas la moindre idée de là où je vais, mais au final, je m'en fous. Je suis pas pressé. J'ai choisi la vie d'après celle-ci, avec tous ses tracas et ses coups de roussi. Et dans tout ça, pour continuer d'avancer ainsi, eh bien, je souris. Ouais, je souris. Au final, on est bien pas si mal lotis. On a même toutes les chances de réussir notre vie. Loin de la famine, des guerres, des maladies. Réfléchis bien. Allez, Oli. Il en faut un pour commencer à chaque fois. C'est bien. Protégé, mis à l'écart des dangers dans notre magnifique société. Un peu comme enfermé dans une prison dorée, mais au final, eh ben, c'est nous les plus névrosés. Celle-ci avec tous ses tracas et ses coudes roussis. Et dans tout ça, pour continuer d'avancer ainsi, eh bien, je souris. Faites-moi un beau sourire là. C'est bien. En plus, pour une fois, j'ai pas les spots trop dans la tronche. Je vous vois, c'est assez agréable. Ouais, ouais, je souris. Merci. Voilà, comme je dis, vaut mieux la qualité que la quantité. Bon, on refoule les prochains qui rentrent. Je garde l'exclusivité de vous. Bon, allons-y, je vais faire un petit switch. D'habitude, je faisais souvent dans l'ordre chronologique, mais je peur de pas avoir assez de temps, donc je vais enchaîner avec des chansons de maintenant et des chansons d'avant. Donc celle-là, c'était la première qui date d'il y a au moins 15 ans. Et maintenant, je vais en faire une pour déclamer mon amour des médias. Des médias mainstream en tout cas, ça s'appelle Média Poubelle. Passe ta tête à la moulinette. Mais en pose tout ton intellect. Laisse-toi abreuver de mille et une débilités sans qu'aucune source n'ait jamais été citée. Surfe sur le buzz et laisse-toi être émotionnel. Laisse-toi
doigts d'ont touché pour faire des repostes à la chaîne. Fais tourner l'info sans jamais être suspicieux et râler les fakes en faisant savoir que t'es furieux. Ouais, faut que ça buzz et faut que ça s'énerve. Bienvenue dans les médias poubelles de Hanouna à BFM avec la connerie comme emblème. Problème d'avoir des gens qui détournent du réel une ritournelle. Et adieu les débats rationnels. Donc médias standards ou bien internet, c'est la profusion pour les nouveaux prophètes. Mais si du fake, de la religion, des news planètes fait des adeptes relayant les infos suspectes. Écoute donc ces experts qui n'en ont que le nom, ou bien tous ces docteurs sans doctorat à l'horizon, n'importe qui donne son avis sur des sujets pas du tout maîtrisés. Pas étonnant d'entendre à l'antenne tant de débilité. Ouais, faut que ça buzz et faut que ça s'énerve. Bienvenue dans les médias poubelles de Hanouna à BFM avec la connerie comme emblème. Problème d'avoir des gens qui détournent du réel une ritournelle. Et adieu les débats rationnels. Alors d'où que ça vienne, faut vérifier les faits avant de t'emballer, parce qu'en fait c'est les faire chercher, te faire voir rouge, ou bien sortir de tes gonds, car quand tu t'énerves, plus de critiques à l'horizon, n'avale pas tout rond la moindre information et laisse pas passer la pilule quand on veut te prendre pour un con. Laisse ton esprit allumé faire preuve de lucidité. C'est pas parce qu'on passe à l'écran qu'on détient la vérité. Ouais, faut que ça buzz et faut que ça s'énerve. Bienvenue dans les médias poubelles de Hanouna à BFM avec la connerie comme emblème. Problème d'avoir des gens qui détournent du réel une ritournelle. Et adieu les débats rationnels. Au revoir débat. Je t'aimais bien. Merci. Bon voilà. Faites attention autour de vous. C'est pas parce que c'est TF1, c'est News ou machin qui connaissent la vérité. Hein. Plus ça va, plus les experts ils connaissent rien. Ils t'invitent le premier gars. Toi, tu seras expert en ça. Ouais, d'accord. Donc il va vous balancer des trucs très fun. Alors, la prochaine chanson, bah, je vais rester dans les actuels. Mais je vais peut-être faire décroissant pour une fois. Je vais partir à l'envers. Celle-là, vous sentez que je suis pas du tout écolo, pas du tout rebelle de la société, tout ça, machin. Et j'en ai une qui s'appelle Achète des trucs. Vous allez voir, votre vie est vachement mieux quand vous achetez des trucs. Moi, je suis plus content quand j'ai acheté un truc, parce que maintenant, ben, j'ai un truc de plus. Quand j'ai acheté un truc, je suis moins malheureux dans la vie, parce que si j'ai plus d'amis, ben, au moins j'ai mon truc. Allez, allons bosser pour nous acheter des trucs. Le secret du bonheur, c'est d'avoir plus de trucs. Plus t'as de trucs, moins t'es triste. C'est la philosophie. J'adhère à 100%, je vais l'appliquer dans ma vie. Achète des trucs si ton grand-père vient de mourir. Achète des trucs si t'es positif au sida. Achète des trucs si on te trouve un cancer. Et avec ton truc, on ira voir un concert. La 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Si jamais t'es déprimé, achète des trucs, tu seras toujours déprimé, mais au moins t'auras tes trucs. Quand t'as tes trucs, c'est super positif, ça te donne tellement de joie de vivre, tu flippes tout le temps contre les pics. Moi j'ai plein de trucs, toi t'as plein de trucs. Allez viens, on compare qui c'est qui a le plus de trucs. Moi je trouve ça sain de se juger sur le nombre de trucs qu'on peut posséder. Achète des trucs si ta maison vient de brûler. Achète des trucs pour remplacer ce qui a brûlé.
achète des trucs, tu verras, tout va bien se passer. Vu que t'as tous tes trucs, c'est le bonheur assuré. Ouais, mais les trucs, ça se remplace. Alors que les humains, eux, quand ils se cassent, bah tu peux pas, non, les faire revenir. Profite d'eux avant que ce soit pire. Moi, c'est mes proches qui me rendent heureux. Et c'est pas les trucs que j'achète. Et à ma mort, je ne pense pas regretter de ne pas avoir possédé plus d'objets. J'aime bien celle-là. Elle m'a bien fait rigoler. Alors, on va continuer un peu dans ce filon-là. Après, achète des trucs, on va parler d'évasion fiscale. Ah non, pardon, c'est pas de l'évasion, c'est de l'optimisation. Et ça, c'est légal. C'est pas grave. Donc, celle-là, elle est toute récente, donc je vais peut-être paumer les paroles. Mais vu que vous les connaissez pas non plus, vous le saurez pas. Donc, allons-y gaiement. Ça s'appelle pas évader, optimiser. C'est juste un petit peu borderline. On agit dans le gris sur les lignes mal définies. Pour les flous juridiques, nos avocats sont des génies. Non, on n'est pas évadés, nous, on est juste optimisés. Et nous, on est juste optimisés. Et on est juste optimisés. Et nous, on est juste optimisés. Petit aparté, si vous avez envie de chanter le couplet avec moi, vous avez le droit. Vous pouvez vous lâcher, je ne vous jugerai pas. De toute façon, avec le retour, je ne vous entends pas. Ce pays m'a donné un terreau des plus fertiles pour se faire plein de thunes grâce aux infrastructures solides, de l'eau, de l'électricité, des salariés en bonne santé. Mais faut quand même pas déconner, je vais pas rendre ce qu'on m'a donné. Ce serait tellement bien, tu crois pas que je vais payer mes impôts? Ce pays, je suis pas là pour l'aider ni pour le remettre à flot. Moi, je suis là pour lui sucer toute la moelle, et je m'en irai que quand vous serez tous à poil. Ah, c'est pas illégal, c'est juste un petit peu borderline. On agit dans le lit sur les lignes mal définies. Pour les flous juridiques, nos avocats sont des génies. Non, on n'est pas évadés, nous, on est juste optimisés. Et nous, on est juste optimisés. Et nous, on est juste optimisés. Et nous, on est juste optimisés. Et... Ça me ferait bien marrer de voir une personne s'évader de prison sans qu'on puisse l'y renfermer, parce qu'il manque au règlement de ligne de texte, et que vu qu'il a fait comme ça, il peut s'évader dans ce contexte. Depuis bien longtemps, quand on a de l'argent, enfin beaucoup, pas qu'un peu évidemment, on essaie de toujours de se débrouiller pour ne pas trop se le faire taxer. Mais c'est pas illégal, c'est juste un petit peu borderline. On agit dans le gris sur les lignes mal définies. Pour les flous juridiques, nos avocats sont des génies. Non, on n'est pas évadés, nous, on est juste optimisés. Et 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 nous, on est juste optimisés. Encore, et on est juste optimisé, et nous on est juste optimisé, et nous on est juste optimisé, pas évadé. Merci. De toute façon, la paye de ce concert, moi, elle part direct en Suisse. Nique les taffons. J'aimerais bien qu'ils payent des fois leurs impôts, ces gens-là, quand même. Ça ferait du bien à tout le monde, je pense, plutôt que de taper sur l'assurance, la sécu, le chômage. Vous savez, tout ce qui a prouvé ses preuves en temps de Covid pour éviter la casse sociale. Bon, c'est pas grave, hein. Ça sert à rien.
enchaîner. Bah tiens, vous avez l'air de bien d'être bien parti pour chanter. Alors, je vais vous en faire une autre chantable. Puis là, je vais vous dire quoi chanter d'avance. Mais c'est très simple. De toute façon, il y aura qu'un seul truc à dire. Ça va faire. C'est une chanson sur le fait des fois il y a des gens qui passent une très mauvaise journée et qu'ils font payer aux mauvaises personnes quand ils rentrent. Que ça arrive. C'est comme ça. Et donc cette chanson s'appelle C'est pas ma faute. Et sur le refrain, ça va faire. Tu sais qu'il y a des journées qui font chier plus que d'autres. Mais tu sais. C'est pas ma faute. Et le c'est pas ma faute, vous pouvez le faire si vous voulez, d'accord. Tu sais qu'il y a des journées qui font chier plus que d'autres. Mais tu sais. C'est pas ma faute. Trop bien. Ok. J'ai l'impression que t'es un peu énervé. T'en fais pas, y'a des indices qui m'ont aidé à capter. Peut-être le parapluie qui vient de voler à travers l'appart en entier. Ou bien la porte fissurée après l'avoir entendu claquer. Ou bien les 400 jurons que j'ai captés dans la cage d'escalier. Attention. Tu sais qu'il y a des journées qui font chier plus que d'autres. Mais tu sais, c'est pas ma faute. Trop bien. C'est vrai qu'il y a des journées qui font chier plus que d'autres. Mais tu sais, c'est pas ma faute. Non, 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 non. Trop bien. C'est vrai qu'à certaines journées, on aurait besoin de décompresser. Mais c'est pas ma faute si tu fais payer ça à tous les proches à porter. Quand t'es là, j'ai pas envie que t'envoies toutes ces mauvaises vibes vers moi. Et si tu continues comme ça, je t'inscris dans un club de MMA. D'autres. Mais tu sais, c'est pas ma faute. On sent qu'il y a du vécu là. C'est vrai qu'il y a des journées qui font chier plus que d'autres. Désolé les enfants pour les gros mots. Mais tu sais, c'est pas ma faute. Comme ça, tu verras, y a pas de meilleur moyen de faire le ménage autour de toi. Alors, essaie de te calmer, car si ça continue, tu finiras tout seul comme un trou. Non, peu importe. si ça continue, tu ne me verras plus. Et c'est vrai. Chier plus que d'autres. Mais tu sais, c'est pas trop bien. C'est vrai qu'il y a des journées qui font chier plus que d'autres. Mais tu sais, c'est pas trop bien. C'est encore mieux quand c'est le public qui finit la chanson. Pensez à moi quand on vous saoule. Ok. Alors, l'art, c'est très bien vu par beaucoup de personnes. Quand on dit qu'on bosse là-dedans, en général, ouais, c'est un vrai métier. Donc, j'ai fait une chanson qui s'appelle... Désolé, les enfants, j'ai plein de grossièretés dans mes chansons. Ça s'appelle L'art, c'est de la merde. L'art, c'est de la merde, et puis ça sert à rien. Que tu sois peintre, artiste ou bien musicien, vous perdez votre temps à rien branler dans ces chantiers. Vous êtes payé, c'est pas du taf quand vous faites si petites journées. Désolé, un travail, on n'est pas censé l'apprécier. L'art, c'est de la merde, et puis ça sert à rien. Que tu sois ingé son light ou bien comédien, tu crois
crois que je vois pas clair dans tout ça. Je vois bien que c'est tout le temps la fiesta. C'est pas du taf dans ces conditions-là. Nanana. Désolé, mais un vrai travail, on l'aime pas. Ah, c'est de la merde, et puis ça sert à rien. Que tu sois ingé son light ou bien plasticien. Vous passez votre temps à rien branler et dire que vous êtes payé, je le vois très bien. Vous faites des petites journées. Le travail c'est chiant, on n'est pas censé s'amuser. Ah c'est de la merde, ah bah on va s'en délester. Plus de musique à ton mariage, plus de DJ dans aucune salle. Oublie les films au cinéma, le théâtre t'en reverra pas. Aucune peinture sur ton mur, hey y'a plus rien, ouais juste un mur. Enlève toutes les décos chez toi, ah bah c'est de l'art, nous en veux pas. De chanteurs dans ta radio, ni même un seul dans le métro. Plus de souvenirs au cirque avec papy, hey y'a plus de cirque, alors tant pis. Exit concert et festival, dégage tout ce qui te maintient le moral. T'as pas besoin d'activité, contente-toi juste de bosser. L'art c'est de la merde, et c'est partiellement vrai. Car t'as aucune idée de ce qu'on peut en chier. Ah c'est un job de passionné, t'as intérêt à t'accrocher. Horaire décalé, journée surchargée. Montagne de taf à boucler à côté. C'est clair qu'on est des gros feignants. Je m'en rends tellement plus compte maintenant. Viens donc tester et tu pourras critiquer. Viens donc tester et tu pourras critiquer. C'est de la merde, enfin seulement pour certains. Moi je pense pas ça, parce que c'est mon quotidien. L'art c'est de la merde, enfin seulement pour certains. Moi je pense pas ça, parce que c'est mon quotidien. Non je pense pas ça, parce que c'est mon quotidien. Merci. Ah, petit mais costaud le public hein. C'est bien hein. J'ai déjà vu plus de monde qui applaudissait beaucoup moins que ça. Mais bon, ainsi va la vie. Hein. Mais c'est des fois dans les concerts, on a ça, des gens qui vont rester stoïques, statiques, pas un applaudissement, pas un sourire, et puis à la fin, c'était vraiment super. Tu veux pas le montrer? Bon alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans notre magnifique petit truc? Je ne sais pas, on en est où là? On est large? Bon, ouais, on est large, c'est bien. Moi, le me va très bien. Bah tiens, on va faire une chanson pour les mecs bourrés dans les bars. Tu un gars à embrouille, on le sent, hein, vous voyez, je suis violent et tout. Donc les seules embrouilles que j'ai eues dans les bars, étonnamment, bah, c'était des mecs bourrés. Et donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour leur faire un hommage. Donc allons-y. Jekyll n'est pas un mauvais gars, dans son état normal, sûrement comme toi et moi. Personne lambda dans la foule effacée, mais son problème c'est son sinistre secret. Ce n'est pas un vampire ou encore un loup-garou, c'est un secret fréquent des maux de notre temps. Comme pas mal de gens qui s'alcoolisent hors limite, notre bon docteur réveille les démons qui l'habitent. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, l'un débarque quand l'autre finit sous la table. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pas né d'une éprouvette mais plutôt d'un blanc bien sec. C'est Dr. Normal et Mr. Comptoir, l'un vit le jour, l'autre se terre dans les bars. Et quand Dr. Normal s'allume à l'éthanol, c'est Mr. Connard qui vient prendre le contrôle. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Besoin d'aller chercher dans la fiction pour voir des monstres sortir des bas-fonds. Va juste te promener en sortie de bar tard pour pouvoir croiser de sympathiques cauchemars qui crachent leur âge au hasard. L'homme des cavernes de retour au 20e siècle, des fermentations, du distillat de Hyde sans modération. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, l'un débarque quand
question, l'autre finit sous la table. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Pas né d'une éprouvette, mais plutôt d'un blanc bien sec. C'est Dr. Normal et Mr. Comptoir. L'un vit le jour, l'autre se terre dans les bars. Et quand Dr. Normal s'allume à l'éthanol, c'est Mr. Connard qui vient prendre le contrôle. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. 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 De toute façon, c'est tous nuls. Merci. C'est chaud là. Ouais, back to the past. Maintenant, je vais vous sortir ma chanson des canards à moi, on pourrait dire ça. J'entends par là que vous pensez pas faire une chanson ouf en vous disant oh, celle-là, c'est un peu nimp. Puis en fait, y a plein de potes qui arrêtent pas de me la redemander depuis des années. Ça s'appelle le petit ravioli cramoisi. Y a plein. Si vous trouvez un sens à cette chanson, un truc pour votre vie, c'est cadeau. Mais normalement, il n'y en a pas. Je rentrais chez moi pour la pause déjeuner. Le soleil brillait, ouais. Les oiseaux gazouillaient. Une boîte de raviolis m'attendait ce midi. Acheté à Monoprix, j'en salivais d'envie. Mais une odeur suspecte attire mon attention. J'enquête dans ma baraque sur la dite infection. Je la trouve dans un placard, la chose des temps oubliés. Il est velu, petit et noir, car c'est en vérité le petit ravioli cramoisi. Celui qui te fait froid dans le dos pendant la nuit. Le petit ravioli cramoisi. L'ennemi de Monsieur Propre, eh bien c'est lui. Vous pouvez le chanter après si vous voulez. Il est pas très compliqué celui-là. Je m'évanouis, puis retrouve mes esprits. Me voilà nez à nez avec ce petit ravioli. Il me regarde fixement, attendant le moment de s'élancer sur moi pour tâcher mon beau sweatshirt blanc de justesse chaude sur le côté et parvient à m'en tirer. Mais cet enfoiré, au bout du compte, finit par me coincer. Je suis derrière, il est devant. Je suis à la merci, maintenant, du petit ravioli cramoisi. Celui qui te fait froid dans le dos pendant la nuit. Le petit ravioli cramoisi. L'ennemi de Monsieur Propre, eh bien c'est lui. La suite de la chanson, je ne peux vous la chanter, car nos amis sponsors ont voté censuré. Cet air, mes amis, je le leur ai aussi joué. Et croyez-moi bien maintenant, eh bien, ils sont en train de flipper du petit ravioli cramoisi. Celui qui te fait froid dans le dos pendant la nuit. Le petit ravioli cramoisi. L'ennemi de Monsieur Propre, eh bien, c'est lui. Le petit ravioli cramoisi. Celui qui te fait froid dans le dos pendant la nuit. Le petit ravioli cramoisi. L'ennemi de Monsieur Propre, eh bien, c'est lui. C'est... Je suis un des seuls artistes qui pourrait faire de la merch avec des boîtes de ravioli. Merch, c'est merchandising. Comme ça, c'est trop bien. Je pourrais avoir les boîtes de ravioli rude juste pour cette chanson. En vrai, ce serait super drôle, quoi. Tant Mr. V, il a bien fait des burgers et des pizzas. Alors pourquoi pas moi des... Oui, c'est vrai, en plus. Un chanteur, restaurateur, quelle différence. Ok. Je vais vous faire une autre que j'avais faite il y a longtemps, dans l'esprit des médias, c'est l'ancêtre de Média Poubelle, on pourrait dire, qui s'appelle L'Éducateur, qui parle de la télé ce coup-ci. Non mais mon amour pour les médias date d'il y a très longtemps. C'est tellement bien ce qu'ils nous disent, c'est tellement rassurant, tant d'infos pertinentes.
la pluie, le soleil, quand on nous fait au JT un truc de 10 minutes pour nous dire « Aujourd'hui, il pleut, nous avons interrogé machin. Alors, que vous pensez-vous ? Ah ben, il pleut, hein, j'ai sorti mon parapluie. » Heureusement qu'on paye des gens pour nous dire ça. Sinon, je m'en serais pas rendu compte. Donc, ça s'appelle l'éducateur. La redevance, ok. Programme télé, ok. Le câble, il est branché. Ouais, ok, les pantoufles enfilées, le radar branché, on va pouvoir s'instructionner, on va apprendre, apprendre, alors qu'on est en train de se détendre, apprendre, apprendre, mais là, c'est apprendre ou à laisser, mais alléluia. L'éducateur est là, on ne bouge pas, on reste BA, on est tout quoi. Et on avale n'importe quoi. Un flot d'infos pêle-mêle, à s'en griller la cervelle. À croire que le monde tourne plus vite que la musique. À croire que le monde tourne plus vite. À croire que le monde tourne plus vite. À croire que le monde tourne plus vite que la musique. Et décaler le rythme du sommeil par cette veilleuse t'illuminant, tel un soleil. Décaler l'horloge biologique te provoquant des tonnes de tics au rythme d'un zap frénétique. Alléluia, l'éducateur est là. On ne bouge pas, on reste BA, on est tout quoi. Et on avale n'importe quoi. Un flot d'infos pêle-mêle, à s'en griller la cervelle. À croire que le monde tourne plus vite que la musique. À croire que le monde tourne plus vite. À croire que le monde tourne plus vite. À croire que le monde tourne plus vite que la musique. De plus en plus de chaînes qui t'enchaînent et t'extirpent doucement du réel. La nouvelle glu vient d'arriver pour te coller tout au canapé. Et l'avalanche de mégabits t'arrive tout droit du satellite. Et tu t'en prends tant dans la tronche que tu sais même plus où t'habites. Alléluia, l'éducateur est là. On ne bouge pas, on reste BA, on est tout quoi. Et on avale n'importe quoi. Un flot d'infos pêle-mêle, à s'en griller la cervelle. À croire que le monde tourne plus vite que la musique. À croire que le monde tourne plus vite. À croire que le monde tourne plus vite. À croire que le monde tourne plus vite que la musique. Alléluia, l'éducateur est là. On ne bouge pas, on reste BA, on est tout quoi. Et on avale n'importe quoi. Un flot d'infos pêle-mêle, à s'en griller la cervelle. À croire que le monde tourne plus vite que la musique. Merci. Ça, j'aime bien. Une de mes vieilles dont je suis bien heureux aussi. La prochaine s'appelle le train-train quotidien. Parce que c'est vachement cool quand il se passe tout le temps la même chose. Ça dépend, il y en a qui aiment bien. Moi j'avoue, j'étais pas très fan. Donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Le train-train quotidien. Allons-y gaiement. La première gare, puis un train bizarre. Croiser mon regard, c'était le train, train quotidien. Il était là, je ne sais pourquoi. J'ai pris mon ticket et je suis monté dans le train, train quotidien. Jour après jour, j'arpente les mêmes chemins, le même bus, le même métro, les mêmes croissants, le matin, les mêmes voies, qu'elles soient trois ou quatre, les mêmes murs, en placo ou en plâtre. Le temps sur stop, tout est figé, comme un servant qui ne voudrait pas changer de peau. Pendant des années, le temps sur stop, tout est bloqué, comme un décor sur une banderole qui ne cesserait de défiler. J'étais sur la ligne qui ne mène nulle part, direction l'ennui et le cafard. C'était le train, train quotidien. Le réseau, boulot, dodo, sur la rame de l'intense redondance. C'était le train, train quotidien.
Mais aujourd'hui, où est-ce que je suis? J'entends le clac-clac continu qui rythme ma vie, le tempo est inchangé. Le temps n'a pas bougé, le métronome continue lentement de balancer. Embarqué dans le TGV de la morosité, 360 km/h pour que tu puisses pas sauter. C'est le train-train quotidien. Plus tu le laisses filer, moins le retour est aisé. Après t'as plus qu'à prier pour le voir dérailler. Le train-train quotidien. Ouais, c'est le train-train quotidien. Ouais, le train-train quotidien. Vous le ferez mieux que moi si vous essayez, on dirait une chouette, moi. Sortez à la prochaine gare et courez! Courez pour vos vies! Merci. Où en sommes-nous? 5 minutes ou 5 chansons? 5 minutes? Bon, bah, je peux en faire peut-être 2, peut-être 1, peut-être plus. 2? Ah, soyons fous, soyons fous. Be crazy, quoi. La prochaine chanson s'appelle Les symptômes pour. Le fait que quand il y a des problèmes ces temps-ci dans notre société, on aime bien mettre des sparadraps sur les symptômes sans gratter trop les causes. On se dit que c'est mieux. Hein. Voilà. Quand on a un cancer, il vaut mieux prendre un doliprane et puis c'est réglé. Hein, c'est un peu le même principe pour la société ces temps-ci. Donc ça s'appelle les symptômes. Y a des dysfonctionnements, y a des trucs qui veulent pas marcher, ou des idées qui paraissent bonnes, mais qui ont des conséquences à côté. Et tout ça pose des petits soucis qu'on aimerait bien pouvoir régler d'un petit coup de baguette magique, sans avoir à trop cogiter. Donc on tire au hasard, on distribue des millions à coups d'aide d'État et aussi de subventions pour constater qu'on n'a pas touché les causes, mais qu'on s'est attaqué à toute autre chose. Et c'est les symptômes, les symptômes, les symptômes, tcha tcha. Les symptômes, les symptômes, les symptômes. Les symptômes, les symptômes, les symptômes, les symptômes et pas les causes. Dobre. Oh, c'est bien ça. Donc on embarque toute la société à essayer de faire de grands projets qui ne marchent souvent que sur le papier. Enfin, ils font ça juste pour essayer. Des petits gestes qui servent à peine, pendant que des jets volent dans le ciel. Des moteurs qui polluent moins, mais si t'en vends plus, eh ben ça sert à rien. C'est plus simple de brasser du vent que de faire de grands changements. Et pour ne pas trop tout bousculer, il y a une technique toute trouvée. C'est de ne pas toucher les causes, pour s'attaquer plutôt à toute autre chose. Et c'est les symptômes, les symptômes, les symptômes. Les symptômes, les symptômes, les symptômes. Les symptômes, les symptômes, les symptômes. Les symptômes. Et pas les causes. Oh brida, oh coren sin que mina. Je parle pas du tout espagnol. Yo le corrida nestor. E corino los symptomas. E los cosas escuchen ira. Et c'est les symptômes, les symptômes, les symptômes. Cha cha.
Les symptômes et pas les causes. Merci beaucoup. Bon ben, franchement, trop bien. Comme je disais, même si on n'a pas beaucoup, vous déchirez. C'est voilà, vous seriez trois comme ça, concentrés là. Peu importe, vous êtes trop bien. Qu'on va partir sur notre dernière chanson, complètement barrée, celle-là aussi, sur une collègue quand je travaillais à Nice. Alors je précise, vu qu'à notre époque, il faut préciser, c'est pas parce que c'est une fille que j'ai fait la chanson, c'est parce qu'elle était relou au travail. Et donc ça aurait été un mec, il aurait eu la même chanson, mais sauf qu'il aurait eu il. Et donc ça s'appelle Triphasé. Oh, moi j'ai rencontré une fille, elle était branchée sur Triphasé. Elle était pas très statique, sauf pour l'électricité. Elle voulait toujours tout casser, sans trop qu'on sache pourquoi. Mais moi un jour je lui dis, c'est peut-être à cause de ça. Sur Triphasé, oh Triphasé, le courant l'a tout fait sauter. Sur Triphasé, oh Triphasé, et je crois bien la poulet l'a grillé. Oh, moi j'ai rencontré une fille, elle était branchée sur Triphasé. Elle avait dû se prendre un coup de foudre quand elle était bébé. Ça lui a laissé environ un bon 10 000 vols dans le sang. Et maintenant, elle fulmine en dedans. Oh, elle est énervée à longueur de journée, même s'il n'y a pas vraiment grand chose pour la contrarier. Elle est énervée à longueur de journée, et on sait pas vraiment comment, non, qu'on va la calmer. On a essayé de mettre un transfo, un truc pour calmer le débit, mais il y avait bien trop de flow, et ça n'a pas suffi. Pour Triphaser, oh Triphaser, le courant l'a tout fait sauter. Sur Triphasé, oh Triphasé, et je crois bien que l'ampoulet l'a grillé. Oh, j'ai rencontré une fille, elle était branchée sur Triphasé. C'était bien trop de courant qu'elle ne pouvait en supporter. Elle était un peu maboule, mais elle manquait pas de cœur. Même si dans le cas présent, c'est celui d'un réacteur. Sur Triphasé, oh Triphasé, le courant l'a tout fait sauter. Sur Triphasé, oh Triphasé, et je crois bien que l'impoulet l'a grillé. Merci beaucoup. Ah ben, ravi d'avoir pu jouer pour vous. Et c'est bien, je suis tout autant content que vous, là. Donc, oh, je vais devenir tout rouge. Franchement, super. L'équipe, l'endroit, le public, ne changez rien. Et merci beaucoup. Et on accueille sous peu notre chère Alice Dressy, si je ne m'abuse, qui va se préparer. Merci encore. Vous déchirez.